Hélène Buzetti, Louis Blouin et Christian Dufour, bonsoir. 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 Alors, je vais continuer sur le même sujet d'une certaine façon. Je viens d'en parler, vous l'avez peut-être entendu, avec M. Kouchik du Club des petits déjeuners. Lui, il est ravi de cette annonce d'hier. Là, je ne vous parle pas aujourd'hui des logements, mais hier, sur 1 milliard sur 5 ans pour financer des programmes pour mieux alimenter des élèves qui en ont besoin au Canada. On va voir un tableau. Louis, vous nous parliez de 7 milliards au total de ces annonces pré-budgétaires, mais dans le fond, qui seront dans le budget. Alimentation scolaire, on vient d'en parler. Infrastructure pour le logement, c'est aujourd'hui. Logement, 415 millions, c'est pour aider. Garderie. Mais isolons, si vous le voulez bien, le club des... Enfin, ça ne sera pas le club des petits déjeuners dans toutes les provinces, mais la question des élèves. Hélène, on ne risque pas d'avoir de bataille de juridiction sur un programme comme celui-là, là, peut-être, non? Je ne le sais pas. J'avoue ne pas avoir fait de vérification encore du côté de Québec. Donc, c'est tellement une cause noble que je serais étonnée que Québec veuille s'embarquer là-dedans. Mais vous aviez quand même raison de poser la question. Au Québec, pourrait dire, bien, j'ai déjà devancer le fédéral, est-ce que je pourrais pas peut-être me rembourser un petit peu? Mais je pense que la bataille, elle sera plus générale parce que dans les dernières journées, en fait, la dernière semaine et demie, M. Trudeau a multiplié les annonces qui sont beaucoup dans les domaines provinciaux. On parle des baux pour les locataires, mais là, aujourd'hui, le logement avec toutes sortes de conditions qu'on voudrait imposer aux villes. On sent de plus en plus, me semble-t-il, la touche néo-démocrate. Hein? Le fait que M. Trudeau soit en entente avec le NPD doit sa survie parlementaire au NPD et donc multiplie les annonces qui sont du domaine beaucoup plus provincial. Et ça, c'est l'accumulation de tout ça qui risque d'irriter beaucoup Québec, mais pas juste Québec. L'Ontario ne va pas être super content de certains des critères annoncés aujourd'hui pour le logement, par exemple. Oui, Louis, parce qu'effectivement, tous les jeudis, à peu près tous les premiers ministres ont dit « ça suffit, là, laissez-nous tranquilles, je comprends que vous avez un pouvoir fédéral de dépenser, mais arrêtez d'envahir nos champs de compétences ». Et ce que nous disent les stratèges libéraux en coulisses, Patrice, c'est qu'ils pensent que les Canadiens ne se soucient pas des batailles de juridiction. Autrement dit, que ce qu'ils veulent, c'est des résultats sur ce qui les préoccupe. Le logement, l'aide à la famille, le coût de la vie, etc. Et que les chicanes de juridiction, c'est pas ça la priorité. Qu'ils veulent voir les différents ordres de gouvernement travailler ensemble pour proposer des choses. Mais on se rend bien compte que ce que Justin Trudeau essaie de faire en ce moment en se collant sur les priorités des Canadiens comme ça, c'est qu'il cherche une bougie d'allumage. Il se cherche une sorte d'élan qui va le porter jusqu'à la prochaine élection. Et c'est pour ça que vous l'entendez commencer à parler de l'équité entre les générations. Ça, c'est le thème qui est en train de se développer en ce moment et qu'il veut essayer, au moins, il se trouve un peu une raison de vivre face à un électorat en ce moment qui semble ne plus l'écouter. Alors, il cherche un catalyseur, M. Trudeau, en ce moment, avec ça. Et Christian, il veut mettre M. Poilievre dans la situation suivante. Il va lui dire, on imagine les débats dans X mois, dire, que couperiez-vous dans ces programmes, soit pour le logement, soit pour les enfants, et tout ça? Il dépense, mais il dit, très bien, je vous mets au défi de retirer ces dépenses-là, Christian. Oui, il y a quelque chose de très vicieux dans cette opération-là. Je ne sais pas si M. Poilievre va rappeler ce petit détail qu'il y a une constitution au Canada, que les provinces sont souveraines dans leur champ de compétences, que l'éducation, c'est le champ de compétences peut-être le plus exclusivement provincial. C'est très révélateur que vous avez commencé par le dossier du Club des petits déjeuners. Parce qu'on joue sur les beaux sentiments. Hein, vous avez dit, Patrice, oh, ça va être plus difficile de s'opposer là-dedans. Bon, c'est l'élément où on joue sur l'empathie des gens, le bon cœur des gens. Qui peut être contre le fait qu'on ait... Sur les besoins ou c'est réel des élèves. Non, mais c'est le fédéral. On a une constitution. Puis surtout au Québec, là, le gouvernement du Québec a bien des défauts, mais c'est le seul gouvernement contrôlé par une majorité francophone. Là, on n'est pas indépendant. On a au moins ça. Il y a une offensive tout azimut du fédéral qui n'est même pas capable de gérer ses propres compétences. Je n'ai pas besoin d'énumérer les dysfonctionnements dont on parle au panel. Là, il se lance dans les champs de compétences provinciales en jouant sur les beaux sentiments de façon vicieuse. Et j'insiste là-dessus. S'il veut vraiment aider là, les petits déjeuners, qu'il envoie l'argent. Mais on a une constitution au Canada
puis que les provinces dans ces secteurs-là sont souveraines. Moi, j'ai enseigné ça, j'ai travaillé là-dessus. C'est pas juste des querelles. Vous savez, quand on dit des querelles de juridiction, ça intéresse pas le monde. Ils sont donc mesquins, chicanes. C'est de la démagogie. Donc, moi, j'espère que le gouvernement du Québec, non seulement va s'opposer à ce fermement, mais qu'il va sonner, en fait, les autres provinces, là, pour qu'il y ait un front commun des autres provinces. Et ça va être intéressant pour terminer, Patrice, de voir M. Poilievre, là. Est-ce qu'il va se lancer dans ce débat-là? Les provinces ont quand même des compétences exclusives en régime fédéral. Oui. Et M. Trudeau n'a pas d'affaire embarquée là-dedans. Mais il voulait punir les municipalités, M. Poilievre aussi, qui n'allaient pas répondre à ses besoins. Donc, lui aussi... Oui, je sais, mais ça va être intéressant. Poilievre, il est mobile, hein? Je ne sais pas si vous l'avez noté. Vous avez vu son discours de Pâques, là, hein, où il commence à flirter avec le dossier identitaire. Est-ce qu'il va revenir à ce qui est plus le terrain fondamental des conservateurs qu'on a une constitution au Canada? OK, Hélène, un mot. Patrice, vous parlez des punitions vers les villes et je trouve ça très intéressant. Je suis d'accord avec Christian qu'on essaie de coincer M. Poilievre avec tout ça, mais on limite aussi. On sent que son approche est peut-être populaire. Et justement, sur cette question du logement, on vient dire notamment que désormais, le transport destiné aux municipalités, le financement destiné au transport en commun dans les municipalités deviendrait conditionnel à l'abolition de certaines règles en matière de logement. Ça, c'est le bâton et c'est l'approche préconisée par Pierre Poilievre. Alors, il y a des similitudes dans ce qui a été annoncé aujourd'hui par le Parti libéral et j'y vois, moi, la preuve qu'on sent dans les sondages, les focus groups, que le discours de M. Poilievre gagne beaucoup de popularité. Voilà. Oui. Et alors, à suivre. On aura l'occasion d'en reparler. Je vous montre une scène... Ça se passe à Montréal. Ça se passe à Montréal. Une belle journée en fin de semaine. Mélanie Joly, ministre des Affaires internationales, qui se fait accoster par un homme. On va écouter un petit extrait. On revient. Mélanie Joly, lift the cap on the number of Palestinian refugees. Lift the cap. Non, mais là, attention. Tu peux pas prendre mon téléphone. Moi, là, je suis... Tu peux pas prendre mon téléphone comme ça. Mais attaquez. Mais pourquoi c'est mon manteau? Là, mon manteau. Calmez-vous. Écoute, moi, lift the cap on the number of Palestinian refugees. Recognize the state of Palestine. Je suis content qu'il me relaxe. Un militant qui voulait lui faire reconnaître que le Canada n'en faisait pas assez pour, dit-il, lutter, contrecarrer le génocide à Gaza. Et là, il l'a filmé. Il a mis. On a su ensuite qu'il y avait quelqu'un de la GRC, mais ça a pris beaucoup de temps. Là, à la fin du vidéo, il y a quelqu'un de la GRC qui vient. Que doit-on penser de cette scène? Je commence avec vous, Christian Dufour. Ben, moi, je trouve que c'est une agression de la part de Mme Joly. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est un détail, peut-être. De la façon dont elle a vécu. Je m'excuse, je m'exprime mal. Mais moi, ce que j'ai noté, c'est peut-être quelque chose qui ne semblera pas très important. Parce qu'elle a dit, écoutez, là, je suis en train de relaxer, je marche dans la rue. Puis le monsieur a dit, comment pouvez-vous relaxer avec ce qui se passe à Gaza? C'est ça, moi, que j'ai remarqué. Comme si les problèmes de Gaza, ça devait devenir les problèmes des Canadiens. Comme si c'était de notre faute. Comme si on y pouvait quelque chose de substantiel. C'est comme si que le village global, c'est devenu le chaos et l'enfer global. Moi, c'est ça que j'ai retenu. La ministre était dans la rue, la fin de semaine de Pâques, à relaxer. On lui dit, tu peux pas relaxer. Il y a Gaza. Mais c'était un militant. Et tout ça était orchestré, Hélène. Là. Il avait son téléphone. Il lui parlait en anglais au début, même si on voit qu'il parle très bien français. Il pensait aux vues sur les réseaux sociaux. C'était, j'allais dire, commandé, mais en tout cas, c'était organisé, Hélène. Oh oui, c'est une mise en scène, effectivement. Et effectivement, pour toute cette raison et la manière que ça se fait, c'est extrêmement questionnable, c'est très malaisant tout ça, parce que si on continuait à faire ça, si ce genre de pratique-là se généralisait, eh bien, nos élus canadiens deviendraient tous des petits présidents américains, c'est-à-dire des gens pas accessibles et qui seraient toujours derrière des vitres par balles. Ça a toujours été la particularité de la scène politique canadienne que cette accessibilité, le fait que nos élus fassent partie de la communauté, qu'on puisse les voir, les accoster, etc. Donc, méthode très questionnable. Là où je mettrais quand même un bémol, où je comprends d'où ça vient cette frustration, c'est qu'il y a une impression que nos politiciens, parfois, ils n'ont plus envie d'entendre la dissidence et ils s'isolent. Je pense par exemple aux trois derniers sommets du G8 qu'on a tenus au Canada, qui ont tous été tenus dans des localités extrêmement reculées et qu'on confinait les manifestants dans des enclos, littéralement, situés à des centaines, voire plus, de kilomètres des lieux du rassemblement. Il y a une impression qu'on
s'entend plus. Et quand on ne se sent pas entendu, on a tendance à vouloir crier plus fort. Et moi, je voudrais rebondir sur ce que Christian dit. C'est, moi aussi, j'ai accroché sur la même phrase. Comment pouvez-vous être tranquille quand les gens sont massacrés à Gaza? Je comprends ce que Christian dit, mais en même temps, voici une ministre des Affaires étrangères. Et le problème, je pense, qu'on ressent, c'est que ce gouvernement libéral de M. Trudeau est constamment en train de s'excuser pour dire qu'on a fait des choses pas fines dans le passé. Mais lorsqu'un massacre se déroule sur nos, sous ses yeux en direct, là, tout d'un coup, il se fait tout petit, puis il y a de la misère à se prononcer. Et je pense que c'est cette dissonance-là qui agace profondément les gens. Mais il y a un déchirement dans beaucoup de capitales occidentales sur l'altitude à avoir envers Israël et les Palestiniens. Est-ce à dire... Mais la question, Louis, est-ce qu'on ne devrait pas mieux protéger nos ministres au Canada? Au Québec, ils sont davantage accompagnés, là. Oui, avec un garde du corps armé et tout ça, alors que ici c'est vraiment à la pièce la protection des élus en fonction de la menace et tout ça. Mais je pense que cette scène-là nous montre que l'on vit dans un monde qui a changé, c'est-à-dire que les discours sont beaucoup plus polarisés, particulièrement dans le contexte du conflit Israël-Hamas. Ce qui est un peu étonnant dans la séquence qu'on voit, c'est de voir l'agent intervenir aussi tard dans cette interaction-là. Et ce que j'ai pu savoir après, c'est que ce monsieur-là a continué à suivre la ministre, même après la fin de la vidéo, a continué de l'invectiver. Je pense que ça soulève des questions sérieuses sur la manière dont on protège les élus, les ministres importants comme ça. Je ne suis pas sûr qu'il y a autant de ministres du G7 des Affaires étrangères qui se promènent dans la rue de manière aussi ouverte que celle-là. C'est peut-être un deuil qu'on va avoir à faire. On est sûr que non, en fait, non? Ben voilà, et puis c'est peut-être un deuil qu'on va avoir à faire, que nos politiciens vont être de moins en moins accessibles plus le discours public comme ça se polarise. Est-ce qu'on peut rappeler là, que les Canadiens et les Québécois ne sont pas responsables de ce qui est arrivé à Gaza, de ce vieux problème-là pourri, complètement fucké, si je peux parler québécois, et puis que notre marge de manœuvre par rapport au règlement du dossier est très minime. Moi, je veux rien savoir que ça devienne un problème canadien. Je trouve que non, mais on doit ça divise, Christian, non, la je sais. Puis il y a des Canadiens qui sont quand même d'origine étrangère qui sont là-dedans. Mais je pense qu'il faut résister à ça. Parce qu'on est impuissant, c'est anxiogène et c'est pas respectueux de ce qu'on est. On peut essayer d'avoir une intervention, un rôle positif. Il faut quand même être réaliste, être réservé. Et c'est pas nous qui sommes responsables du problème. Je pense qu'il faut le rappeler. Vous avez parlé rapidement, on va aborder deux sujets. Un mot sur Benoît Pelletier à la fin, qu'on va souligner son départ en fin de semaine. Mais vous avez dit, il se rapproche, je ne sais pas comment vous avez dit ça, Christian, là, vous êtes en forme aujourd'hui, là, mais message Pascal de Pierre Poilievre. On écoute un petit extrait, il a souhaité joyeuse Pâques, mais un discours assez religieux, inhabituel en politique canadienne. On écoute. Il est ressuscité. Aujourd'hui, les chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. Par son sacrifice, il a payé le prix de nos péchés et a vaincu le pouvoir de la mort elle-même, afin que nous puissions nous réjouir de sa promesse de vie éternelle. Beaucoup de premiers ministres, beaucoup de ministres sont très croyants et tout ça, mais c'est plutôt rare, à moins que je me trompe. Tour de table rapide. Hélène, est-ce que ça vous a étonné? Pas tellement. On renoue avec une tradition conservatrice. Je vous rappelle Stephen Harper, qui avait pris l'habitude de terminer presque tous ses discours par « God bless Canada ». Et d'ailleurs, je suis tombée sur un vieux sondage de l'époque où il y avait 2/3 de Canadiens qui étaient très à l'aise avec ça. Je trouve que ça pose des questions par rapport à la laïcité, mais ça, c'est un tout autre enjeu. Alors, je pense que ça fait partie de la formule conservatrice de se montrer ouvert aux faits religieux. Et même dans la question des personnes transgenres, par exemple, M. Poilievre en parle pour faire plaisir notamment aux communautés musulmanes. Alors, c'est tout à fait logique positionnement général. Très bien, Louis. Bien, écoutez, c'est clair qu'il y a une erreur dans la forme, particulièrement vis-à-vis de l'auditoire québécois. Je vous dirais, j'ai parlé d'ailleurs à un conservateur du Québec un peu plus tôt aujourd'hui qui m'a dit « j'ai pas été capable de regarder ça jusqu'à la fin ». Alors, c'est un peu étonnant qu'il n'y ait pas quelqu'un dans l'entourage chef conservateur qui ait capté peut-être le fait que ça semblait un peu décalé, que ça pouvait sonner comme une homélie ou un sermon, appelez ça comme vous voulez. Mais les conservateurs insistent pour dire que c'est pas différent que les messages qu'il va porter pour d'autres fêtes religieuses. Il fait des références
messe, souvent religieuse, assez pointue, M. Poilievre. Alors, on dit qu'il ne voulait pas non plus dire une chose en anglais, une chose en français non plus. Mais reste qu'il y avait un décalage dans ce message-là, c'est clair. Christian. Bien, j'ai trouvé ça très audacieux parce que, en tout respect pour Paul, il me semble qu'il n'aurait pas parlé des autres religions... avec, pour Louis, excusez-moi. Il n'aurait pas parlé des autres religions avec le même senti. Hélène a rappelé qu'il y avait une tradition conservatrice où on pouvait faire référence à ces choses-là. Mais moi, ce que je voyais, c'est une espèce de contestation un peu implicite du multiculturalisme canadien idéologique où il n'y a pas de communauté d'accueil, il n'y a pas de société d'accueil. C'est clair qu'il parlait du christianisme pas de la même façon dont on aurait parlé de l'islam. Mais par contre, quand il était dans un rassemblement de la communauté juive à Montréal il y a quelques jours, il a fait plusieurs références religieuses assez poussées. On dirait qu'il utilise cette façon de faire-là pour essayer de tisser des liens ou en tout cas essayer de les renforcer avec certaines communautés. Alors, je ne suis pas sûr qu'on peut dire que c'était nécessairement étranger à tous les discours. Mais moi, j'ai senti un... C'est pas un mot, si vous voulez dire un mot de Benoît... Un mot de Benoît... sur Benoît Pelletier, Christian, vous disiez, j'ai étudié ça, ces choses-là. Alors, un mot sur Benoît Pelletier. Ça me fait de la peine parce que c'est une espèce en voie de disparition, puis je dis pas ça dans un sens négatif. En fait, des fédéralistes, des libéraux, clairement nationalistes québécois, ça m'a fait penser à M. Mulroney, qui était un conservateur, un progressiste conservateur, qui a défendu l'accord du Lac-Mitch, qui était très, très, très québécois. J'espère que le Parti libéral du Québec va se trouver d'autres équivalents. Il y a peut-être Mosset Deragy, le député de Nidane, d'origine marocaine, qui est plus nationaliste, mais on les cherche, les libéraux nationalistes au Québec. Hélène, un mot. Écoutez, moi, j'ai eu une réflexion. Il était très aimé quand il était professeur, très aimé quand il est redevenu professeur pendant sa carrière politique. À un moment donné, la vie politique a rogné son capital de politique, de sympathie. Et j'ai eu une réflexion plus générale sur à quel point la politique est dure. Vous avez beau être très aimé, quand vous sautez dans l'arène pour le service public, vous en sortez toujours égratigné. Et ça m'a fait réfléchir à ça. Très juste. C'est vrai que comme prof, on le salue aussi. Il était très aimé. Louis, mot de la fin, rapidement. Généreux, même avec les journalistes, on pouvait le consulter. C'était un homme très, très gentil, très généreux, gentil. Et qui était inquiet de ce qu'il voyait, de ce qui se passait, de ce qui se passe à Ottawa ces jours-ci. J'ai parlé avec lui encore il n'y a pas longtemps, la tendance centralisatrice, justement, du gouvernement Trudeau à certains écarts dans le dossier de l'immigration, notamment. Il avait des opinions encore à exprimer là-dessus, bien sûr. Merci à vous trois. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.